Hey, salut à tous, c'est Matsu, c'est le deuxième vlog de la chaîne. On est le 16 mars, il est 15h37. Aujourd'hui, donc j'ai déjà pas mal fait de trucs, hein, c'est-à-dire que je me suis couché tard hier soir parce que déjà j'ai voulu finir le montage et pour pouvoir upload la partie 2 de l'épisode 1 de Life is Strange sur Matsuri Gaming et j'ai fini aussi le scénario du premier story manga sur Sword Art Online Fairy Dance. Et donc du coup je me suis couchée vers 3h30, je me suis réveillée à 4h pour emmener Razbot au boulot, je me suis recouchée, relevée à 11h pour charger, puis après je me suis recouchée, puis je me suis levée à presque 14h. En ce moment je me lève à 11h mais là je sais pas, j'étais pas bien. Certainement parce que je me suis couchée plus tard que ce que je fais en ce moment. Aujourd'hui, je vais m'occuper donc du tournage de Sword Art Online Fairy Dance, enfin du story manga. J'ai fait un peu de repassage. J'ai ressorti un de mes vieux costumes. Vous allez voir après, voilà, ça fait partie donc du story manga. Vu que je peux le faire, je le fais. C'est-à-dire que je vais mettre l'un de mes cosplays. Donc ceux qui connaissent, ils sauront lequel c'est. Et puis de toute façon, je vous montre juste après. Et vous verrez dans le story manga aussi. Mais certainement dans le story manga. Avant de voir ce vlog. Donc, je vais juste enregistrer l'intro jusqu'au moment où je change de tenue, enfin où je me mets en costume. Très après, on doit sortir, ça va prendre quoi, une demi-heure, on va revenir. Puis après, je vais finir le tournage et normalement ce soir, je fais le montage et il paraîtra demain, le 17. J'ai complètement chamboulé mon planning parce que donc j'ai un planning pour la production et puis la publication de mes vidéos. Et là, je l'ai complètement chamboulé parce que j'ai eu de la famille qui est chez moi en ce moment. Et donc là, ils sont pas là cet après-midi, pour ça, je vais profiter pour tourner la vidéo. Ça fera moins de bruit de fond. Le story manga, ça va être un peu plus compliqué. J'ai vite fait une petite relecture, j'ai pas fait de prise de notes cette fois, j'ai fait le scénario, j'ai voulu préparer quelques trucs, il fallait que je retrouve mon costume dans tous mes cartons. Et d'ailleurs, j'ai pas préparé la perruque, faut que je la fasse juste après. Et faut que je me trouve un filet à cheveux, ce sera mieux. Normalement, j'en ai un dans un de mes meubles, ça devrait le faire. Enfin bon, voilà, donc on a tout ça à faire. On est le 19 mars, il est 16h18. Je viens de publier la partie 3 de l'épisode 1 de Life is Strange. Je posterai la partie 4 après-demain, du coup, parce qu'on ne commencera pas le dimanche après-midi. Ce sera pour lundi. Sinon, à la base aussi, je fais aussi cet enregistrement pour annoncer une nouvelle. Pour annoncer une nouvelle, c'est-à-dire que à partir de lundi, 8h, je travaille. J'ai trouvé un boulot, je vais pas. Enfin, j'attends de voir parce que je vais signer lundi. Je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas si c'est un. Normalement, c'est un CDD qui débouche sur un CDI, mais je sais pas encore combien de temps il va me faire signer. Si c'est pas très longtemps, bah. Je me méfierai largement, mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé un boulot. Après, on va voir ce que ça donne sur la durée. Je pense qu'il fallait aussi que je le dise parce que plus le temps que je vous dis, je vous préviendrai. Bah, c'est fait, maintenant vous êtes prévenus, mais j'ai pas encore commencé donc je ferai une. Nouvelle entrée lundi soir, je pense, pour dire comment ça a été. Sinon, j'ai publié hier comment ça s'appelle? Le story manga sur Sword Art Online Fairy Dance. Combien j'ai vu que vous étiez? Vous êtes 24 à être allé le voir, il y a déjà 4 pouces bleus et il y a 11 commentaires. Je suis assez satisfaite, mais j'espère quand même que d'autres personnes le verront. Et si vous avez éventuellement des amis qui aiment Sword Art Online ou bien des sortes d'expertise de manga, des reviews, etc. N'hésitez pas à publier. Enfin, alors, à leur partager, je veux dire. Je pense que comme ça sera toujours mieux parce que il y a des discussions, mais c'est vrai que ça pourrait être encore plus. Enfin, ça pourrait être encore mieux parce que là, à chaque fois, c'est quelqu'un qui parle, je lui réponds, on discute entre nous. Mais ça pourrait être plus être des discussions à 3, 4, 5 personnes, etc. Et ce serait encore plus sympathique, quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo du story manga. Il y avait aussi. Ah, bah, j'ai juste de voir la réaction du tome 5 d'Axelworld à 24 vues aussi. Bon, en même temps, je pensais bien qu'il allait avoir moins de vues sur celle-là, mais bon. Tant pis, ce n'est point grave. Je me suis bien amusée à la faire. Bah voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et on se retrouve pour une prochaine entrée. Salut! Hey, salut, on est le 22 mars, il est 17h17. Donc on est.
mardi. On est mardi, j'avais dit que je ferais un enregistrement donc pour le vlog lundi, sauf que bah, je sais pas, hier j'étais pas motivée, j'étais pas spécialement fatiguée, mais voilà, j'avais pas envie. Du coup, ouais, donc j'ai eu mes deux premiers jours de travail, donc j'ai un peu plus de précision. Un contrat qui va jusqu'au mois d'octobre, donc 6 mois de travail. Donc voilà, ça va un petit peu changer tout ce qu'il y a à voir, même aussi par la suite. Même si je sais par la suite ce que j'ai à faire s'ils me gardent pas, mais en théorie, voilà, s'ils me gardent pour faire tout ça, c'est un peu particulier, je vais pas m'étaler sur ce qui est mon contrat, mais je pense qu'ils devraient me garder par la suite, sauf si je suis vraiment trop nul ou trop conne, je sais pas, mais j'ai des doutes là-dessus. Donc voilà, donc de ce côté-là, c'est très bien. Mais je suis pas conne! Hier, j'ai publié le dernier épisode de... Enfin, la dernière vidéo de l'épisode 1 de Life is Strange. Et là, je m'apprête à enregistrer l'épisode 2 en entier. Je vais essayer d'améliorer le son. Il va falloir que je parle plus fort. Mais comme cette fois, il ne sera pas en train de dormir à côté de moi, je vais pas hésiter à beugler s'il le faut. Donc ça devrait être mieux. Aussi, ce soir, c'est le dernier jour pour voter pour les premières impressions. Oups, pardon. Sachant que donc le vote, c'était Kill la Kill contre Secret pour les premières impressions. Sauf que... En fait, Secret ne comporte que 3 tomes, mais je l'ai lu. J'ai déjà fini Secret, donc si vous choisissez Secret, ce qui est bien parti pour, ce sera une vidéo première et dernière impression, du coup, parce que je vais pas faire deux vidéos dessus, je préfère faire une où je fais une partie première impression et je donne mon impression finale à la fin, je me souviens de ce que je pensais, et voilà, voilà. C'est encore moi, j'ai juste à me rappeler ce que j'avais envie de dire et que j'ai oublié de vous prévenir, donc là, actuellement, on est toujours le 22 mars, hein, il est 19h51. Donc, chose dont j'ai oublié de parler, c'est que j'arrête ma page Patreon. Voilà, il n'y a plus qu'un seul Patreon, désolé pour lui, il se reconnaîtra. Je remercie de m'avoir soutenu jusqu'au bout. Il y avait eu un moment 3-4 personnes, mais au final, voilà, ça n'a pas abouti, on va dire, ça n'a pas duré. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes intéressées, soit, hein, chaque année de. D'aimer ou pas. Par contre, maintenant, comme j'ai un travail, je sais qu'en plus des vidéos, je n'aurai pas le temps de consacrer une soirée entière, voire plusieurs, à un ou plusieurs dessins. Malheureusement, j'ai décidé d'arrêter la page par faute de temps et motivation, parce que voilà, c'est sûr que passer autant de temps à faire un dessin et qu'au final, il n'y a pas forcément de personnes intéressées, ça ne motive pas. Donc comme je sais que j'aurai pas beaucoup de temps, si je veux en plus m'entraîner à côté pour faire des dessins de qualité et qu'il y a toujours personne, etc., même après avoir fait des offres bien plus intéressantes, je préférerais arrêter, me concentrer sur les vidéos, et peut-être que quand je me serai habitué à mon rythme de vie, etc., peut-être qu'un jour je m'y remettrai, mais pour l'instant ce n'est plus du tout à l'ordre du jour. Je suis désolée pour ceux qui comptaient s'y inscrire et que je ne l'ont pas fait, que j'étais pas au courant. Et au pire, je vous contacterai quand ce sera le cas. Voilà, voilà. Sinon, oui, je vous ai demandé aussi, il y a un sondage que j'avais lancé donc par rapport à Pokémon, donc à quelle version vous aimeriez que je joue. Il y a eu masse vote pour la deuxième génération, donc Or, Argent et Cristal. Donc je pense que c'est bien parti pour celle-là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde d'un seul coup qui vont les voter pour les autres. C'est vrai que d'un côté c'est logique parce que c'est les versions qu'on voit plus, donc je comprends que vous souhaitiez les revoir. Du coup j'ai essayé de faire un let's play, mais de faire un let's play là-dessus, mais je vais pas le faire genre du début à la fin, je ferai certainement beaucoup de coupures, je mettrai peut-être juste les combats intéressants, les évolutions, je filmerai tout et après je ferai des grosses coupures dedans, parce que si je vous fais tout, à mon avis on est parti pour au moins une quarantaine d'heures de let's play et ça va pas être top. En tout cas, du coup, ce sera tout pour ce vlog. J'ai plus rien à dire pour l'instant, à part n'oubliez pas de regarder mes vidéos sur les deux chaînes. de me donner vos avis aussi à chaque fois. Si vous avez éventuellement des questions que je peux soit répondre directement dans les commentaires ou que je peux stocker pour une prochaine FAQ, on sait jamais, hein, je garde tout. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si ce que je vous ai dit vous a intéressé. Et on se retrouve très vite pour un prochain vlog et les prochaines vidéos. Salut !